dis toujours, c'est un monospace pour les parents qui s'aiment encore. C'est une voiture attractive, mais à l'intérieur, avec toute la force et notre connaissance et notre expérience de monospace, la praticité, la fonctionnalité, la modularité et même des technologies qui viennent du segment au-dessus. Il fallait absolument que cet intérieur exprime la largeur. Il fallait vraiment avoir un traitement dans l'horizontalité. La planche doit exprimer la légèreté et vraiment la largeur. Il faut la stretcher un maximum de façon à ce qu'on ait cette notion de confort. Un petit peu comme l'espace. On a gardé notamment la connexion planche-panneau-porte qui est en continuité. En intérieur, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accompagner le positionnement produit et design qui était de vouloir un véhicule plus dynamique et plus moderne. Donc pour moi, l'exercice a consisté à mélanger ces deux registres qui sont et des codes plus dynamiques, donc plus basés sur le contraste, des éléments statutaires, tout en conservant les codes génétiques d'un monospace qui sont des matières chaleureuses, la notion de confort, de vie à bord et d'habitabilité. Le nouveau Scénic, c'est un petit peu comme un ovni, parce que c'est un objet qui, pour moi, est vraiment en rupture stylistique avec les anciennes générations de Scénic. La rupture dans l'intérieur, elle vient du fait qu'on a revalorisé le rôle du conducteur. Donc il y a une casquette dont les lignes stylistiques convergent vers le conducteur et elles se prolongent vers le passager. Il y a deux éléments qui cohabitent à ce moment-là, la sportivité et le partage. Cet intérieur, il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de le configurer. Quand la planche coulissante est connectée à la planche de bord, on est dans une configuration plus cockpit. Donc là, il y a la notion de plaisir de conduite. C'est plus orienté sur le conducteur. Cette console coulissante, quand elle est déconnectée, elle offre du rangement. Il y a de la connectique, il y a deux prises USB, une prise 12 volts. Elle peut faire office de table. Là, on est dans une configuration plus familiale. Scénic se place vraiment bien dans la stratégie design, dans la marguerite, avec naturellement le pétale famille, mais aussi un côté love. Et on sent ça, c'est une voiture attractive aussi pour faire impression. La voiture est le cœur pour la marque Renault, parce qu'on est centré sur l'humain, alors la famille joue un rôle très important. Concernant le deuxième rang, donc les sièges arrière, pour les enfants notamment, on a les tablettes aviation, on a la console centrale qui, une fois reculée, permet d'avoir du rangement, de la connectique. Aujourd'hui, je suis très fier parce que cet intérieur, il est vraiment le reflet de mes premiers sketchs. Et émotionnellement, c'est quelque chose de très très fort. Il y avait une confiance dans le résultat final depuis assez tôt sur le projet. Je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi à donner une image plus valorisante. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir envie d'acheter un Scénic pour d'autres raisons que des raisons pratiques.